grandes choses qu'il continue à le faire. Nous osons un texte en mission par la grâce de Dieu. Nous allons prendre notre texte par la grâce de Dieu. Pour l'important. Nous nous levons pour la lecture. Pour Tanguy, le verset 16e hier, Deutéronome 16. Nous lisons le verset 16 de Deutéronome 16. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Trois fois par année, Malamisato Nambumoko, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Malamibalimyonso Katipatsabino, Bakopé le Malamusonaïoé. Dans des lieux qu'il choisira à la fête de Pessamadan. Nesiko Yakupunaka, Neilulu, Ya Mapesamafulu. À la fête des semaines, Neilulu Yamaposo, et à la fête des tabernacles, et Neilulu Yamamingongo. On ne paraîtra point devant l'Éternel la même vie. Makoube le maté, Makoukoupamba le bosona yawe. Il te bénit cette lecture. Vous en avez pas mon litangi? Oui, pour femme. Vous pouvez vous asseoir. Ma culte, ma mission, il est parti le vendredi. Dans notre culte précédent du vendredi dernier, nous avons dit ma traduction, mon pokoyo, traducteur, Alobaki, ou Kesaramine Alobaki. Il y avait une parole que le traducteur avait traduite. Oui, Kota, il s'appelait Christ a pour moi qui est crédibilité pour la mission. Je montrais que le Christ était devenu une crédibilité pour nous. Dans mon travail, on a une mission d'accord à l'enseignement. Lorsque je missionnais encore l'enseignement du vendredi, on a dit que c'est Chapa qui m'a traité pour avoir Christ, pour pas qu'il interdit. J'avais vu que cela lui avait échappé et il a dit Christ était mort incrédule. La chair est un lieu très sacré. Et tous mes alliés ici, quand le Bouddhisme. Ceux qui m'ont accueilli, ça conforme, il faut qu'on la colombe là. Si même on sort et ça n'est pas conforme, il faut l'enlever. Donc, Zan va pardonner pour la Nilobana. Que le Seigneur puisse les pardonner pour cette parole. Ils ont l'idée à commettre qui est. Ils ont Christ à confier incrédulité. C'était une erreur commise, c'était. Christ a pouvoir qui le cola et kende na biso. Donc il était devenu péché. Donc à pécheur. L'issoumou kasi l'issoumou te. D'après 2 Corinthiens 5. D'après 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit les oeufs de cette biseau. L'écriture nous dit. Verset 21. Le verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tangi na kombone sou. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Christ à la croix comme un péché. Donc, Christ à la croix était devenu péché. Vous suivez attentivement. L'incrédulité qui m'a tellement aidé, c'était Christ à la croix. C'est pourquoi nous montrions Moïse a poufaki incrédule. Moïse était mort incrédule. C'est très important. Cela est très important. Si tu n'as pas prêché comme ça, tu endommages les Écritures. Parce qu'il n'était que le signe. Mais ce qui devait se passer ou s'accomplir à la croix. On avait montré à désobéir. Il avait désobéi. Il faut savoir ceci. Beaucoup de gens ne saisissent pas les langages de la Bible. Moïse n'a pas prêché la vie éternelle. Moïse a dit adoration dans le désert. Moïse a prêché l'adoration dans le désert. Et le retour au pays. Et le retour au pays. Noé a été vie éternelle.
Noé non plus n'avait prêché la vie éternelle. Noé a été qui pourquoi dans l'arche pour s'échapper d'un désastre dans la voie à déluge. Il avait prêché d'entrer dans l'arche pour s'échapper du déluge. Israël a dit qu'il n'a pas promesse ce qui a tous à besoin. Israël avait des promesses au cas où il obéira. Besoin même condam. Donc recevoir même le sépulcre. Donc vous avez un sépulcre. Que tu reçois le sépulcre. C'est une promesse aux enfants d'Israël. Israël. C'était une promesse que le Seigneur avait donnée aux enfants d'Israël. Pour un roi, pour Nabucodonosor, il faut travailler très bien. Il doit bien travailler. Pour condamner à sépulcre à David. Pour qu'il soit enseveli près du sépulcre de David. Et ça, une promesse. C'était une promesse en Israël. Osant la sépulture en Israël, ça a été une malédiction. Donc, manquer le sépulcre en Israël était une malédiction. Il y a beaucoup de monde, pourquoi les Juifs ont tombé contre Moïse et pour sa mère rouge. Ça a beaucoup fait au sens sépulture. C'est pourquoi les Juifs s'étaient opposés à Moïse devant la mer rouge. Donc Israël a aimé que ce soit possible au Banzambé. Un enfant d'Israël savait s'il obéit à la parole. Récompense n'y a besoin. Quelle récompense recevra-t-il? Le Seigneur fera qu'il vive longtemps sur la terre physique qu'il avait donnée à Abraham. Ce que nous autres savons, pourquoi tu obéis? Il ne répondra pas pour aller à la vie éternelle. Les apôtres vivre longtemps, à ma belle et à physique. C'était pour vivre longtemps dans la terre physique. Ah, Israël, nous autres savons l'année. Israël, pourquoi tu obéis? Nous autres savons que nous avons comme une nation élevée au-dessus de toutes les nations. Je bénis enfin que je sois nation élevée au-dessus de toutes. Oh, le Seigneur a dit ce qui est. Parce que le Seigneur lui avait montré. Ne pas désobéir. Si il désobéit à la parole. Le Seigneur lui enverra des ennemis pour l'emporter en captivité. Il y a beaucoup remarqué que tant que Jésus a écouté. C'est pourquoi tu vas remarquer lorsque Jésus est venu prêcher dans Jean 8. Dans Jean chapitre 8. Le Seigneur a ôté la parole. Le Seigneur prêche la parole. À le Bible. Il dit ceci. À partir du verset 50. À partir du verset 50. Parce que nous connaissons ce nom, vraiment vous saisir la mot très bien. Parce que j'aime que tu puisses saisir très bien chaque chose. J'ai le nom de Jésus-Christ. Je ne cherche point ma gloire. Dans Jean 8. Il en est un qui la cherche. Et qui juge. En vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Là, c'est Jésus qui a prêché ainsi. Maintenant, les pharisiens lui disent, au verset 52, maintenant, si couille, lui dire les juifs, nous connaissons que tu as un. Cet enseignement, les Juifs ne l'avaient pas. Non. Parfois, ils doutaient de Jésus pour être un démoniaque. Mais il l'avait confirmé. Que Jésus était un démon. Jésus-Christ était un démon. Parce qu'il a dit, si tu gardes ma parole, tu ne verras jamais la mort. C'est-à-dire, cet enseignement, il ne l'avait pas. Il faut comprendre la Bible bien. Tu dois bien comprendre la Bible. Cela veut dire, avant, on avait quand même des doutes sur toi. Mais est-ce que tu es démoniaque? Ils ont confirmé qu'il est démoniaque quand il a prêché que si on garde sa parole, on ne verra jamais la mort. Alors dit, Abraham est mort. Abraham a koufa. Les prophètes aussi. Va s'accomplir ma koufa. Et il dit, si quelqu'un garde ma parole, ce qui m'a pas tenu le balangai, il ne verra jamais la mort. A côté, est plus grand que notre père Abraham. Vous allez monter les collègues à tata, la mission Abraham. Oh, notre Seigneur.
Qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétend être? Mais c'est la vie éternelle. C'est pourquoi vous allez remarquer les gens qui étaient morts avant l'œuvre de la croix de Jésus. Dans Tite chapitre 2, dans Tite chapitre 2, on dit ceci. La grâce de Dieu. Ngolu yanzambe. Source de salut. Ntima ya lobiko. Pour tous les hommes. Pour nabato nyonso. Donc, tant grâce ayez et salut moussala. Lorsque la grâce est venue travailler. Noé habiki, Noé est sauvé. Moïse habiki, Moïse aussi est sauvé. La grâce de Dieu pour tous les hommes. Et Zali, Mbolu, Yanzame, Tima, Omo, Ipona, Matoumia. Il y a aujourd'hui Hébreu 9. C'est pourquoi en prenant Hébreu chapitre 9. Le verset 15e. Le verset 15. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour les péchés, pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Il faut bien suivre la lecture. La mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il y a beaucoup remarqué que Pierre, dans le Tangi Makomiakala, c'est pourquoi Pierre, en lisant les Écritures anciennes, a moni na l'air, il y a Noé, il a vu du temps de Noé, les fils de Dieu, Bana Yanzambe, Basali Bouzoba, ils ont commis des péchés furieux, Bakangani na ba fille des hommes, ils se sont alliés avec les filles des hommes. Incrédulité. Ils ont manifesté l'incrédulité. Mais ils étaient fils de Dieu. Ils n'étaient pas entrés dans l'arche. Ils étaient morts incrédules, mais fils de Dieu. Il y a beaucoup Pierre dans 1 Pierre 3. C'est pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre 3. Christ est mort quant à la chair. Christ a couffé dans d'autres. Quant à l'esprit, il était allé prêcher les esprits en prison. Pierre, c'est impossible que le fils de Dieu. Écoutez, vous savez, ma témoin dans un verre. Donc, manque les saluts. Voilà, par rapport à avant Christ. Là, c'est par rapport avant la venue de Christ. Aujourd'hui, son Kofi, c'est à Isumu. Aujourd'hui, si tu meurs sous les péchés, et si lui, c'est vraiment la table, tu ne verras jamais le Seigneur. Amen. C'est très différent. Et que c'est ma casse. Parce que nous sommes dans la Romaine ailleurs. Parce que notre église. On a dit Salomon. Tu observes Salomon. Regarde sa fin. A tongi ba temple ya Moloch. Il a bâti les hôtels au lieu de Moloch. Le faux Dieu. Il m'a emporté vraiment. A mes mamas qui m'a gobika. Mais il sera sauvé. Salomon sera sauvé. C'est ça par rapport à Hébreu 9, verset 15. C'est par rapport à Hébreu 9, le verset 15. Vous aurez la main. Vous suivez attentivement. Donc, Batoubazangi arche. Les gens qui ont manqué d'entrer dans l'arche. Mais Batoubazangi appelé fils de Dieu. Mais qui étaient appelés fils de Dieu. Le Seigneur a bien voté avant. Le Seigneur était allé les prêcher. Et en gros, 1 Pierre, alors bien qu'on a vu, chapitre 4, l'évangile a été prêché aussi aux morts. Sangomalamu, Batoubazangi, 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 Batoubazangi,
Maintenant, beaucoup de gens ont peur des Écritures. Pour savoir que depuis la chute d'Adam, jardin devait être fermé. Les jardins d'Éden étaient fermés. Jardin d'Éden, il y a un bomba qui l'arbre de vie. C'est le jardin d'Éden qui renfermait l'arbre de vie en son sein. Se coller aux en vie éternelle. Si tu en manges, tu as la vie éternelle. Et jardin d'Éden, Zala qui est le bomba qui a ciel qui était fermé. Et le jardin d'Éden était le signe du ciel fermé en ces temps-là. Donc comprenons comment. Comment nous le comprenons? Dieu a l'obaga de plusieurs manières. Vous savez, alors il peut prendre Adam. Il le reprend sous une autre forme. Et ça fait que si vous montez sur Adam, ce n'est pas en voulant prêcher sur Adam. Une concordance, tu prends ta concordance. Ok, la lettre A. Tu verras à la lettre A. A D A N. A D A N. Après, tu vas verser Adam, 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 Adam. Maintenant, beaucoup de versets d'Adam. Pour qu'on saute Adam. Tu vas sauter d'autres Adam sous une autre forme. C'est le même que Israël a appelé Adam. Si on te dit qu'Israël est aussi Adam, toi tu vas prêcher seulement Adam et A-D-A-N. C'est comme ceux qui prêchent sur Caïn, C-A-I-N. Concordance, écoutez, bien directement dans 1 Jean 3. La concordance va les renvoyer directement dans 1 Jean 3. Mais voyage à ça, il a sauté par point de les autres de la toujours dans Caïn. Mais dans son voyage, il a sauté beaucoup de Caïn dans les Écritures. Et tant aux autres soit Israël, et en prenant Israël, et ça, Adam. Il est vraiment Adam répété. Il y a beaucoup de monde qui est Israël. Hein? C'est pourquoi tu verras Israël. Abanda Boumou na Égypte, il a commencé la servitude en un programme dans le programme de Dieu. Il est allé à la joie. Dans la joie. Joseph V. Joseph après un certain moment. Après un certain moment, la servitude les a atteints. Mais c'est Dieu qui répétait les mouvements d'Adam. Et ça va qu'ils avaient trop parlé la boninga na Adam. Il y avait beaucoup de miracles qui s'étaient produits par Moïse. Mais il n'était pas délivré. C'est la mort de l'agneau. Pour qu'il soit délivré, il fallait la mort de l'agneau. Le sang est coulé. Que le sang puisse couler. Les années pour c'est Israël, c'est Adam. Cela montrait que Israël, c'est Adam le premier. Dans le langage, il y a Zambé, et Dieu a un langage céleste et terrestre. Il a parlé d'autre chose par rapport à celles qui sont terrestres. Mais il viendra aussi parler de manière céleste. C'est comme lorsqu'il s'entretenait avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Il s'entretenait avec lui. Mais à commencé Nicodème, mais il a fait de Nicodème peuple combiné. Tout le peuple d'Israël. D'abord, nous avons le bénin avec tu. D'abord, il lui parlait en le tutoyant. Tu. Tu, une seule personne. Après, si a changé. Il a changé. Nous avons le bénin, nous avons le maintenant vous. Maintenant, il lui parlait comme s'il parlait à plusieurs personnes. À l'oublier verset 10e, il y a Jean chapitre 3e. Le verset 10. Jésus lui répondit. Jésus a dit. Tu es le docteur d'Israël. Vous allez pour la Christianité. Et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons. Vous voyez ce nom? Et nous
Jésus lui-même, Moïse, Jérémie, tous les prophètes, ce sont eux le nous ici qui nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nous avons vu. Seigneur, Esaïe, Daniel, et lui-même Jésus en fait partie. Et vous ne recevez pas notre témoignage à vous. Mais nous ne sommes pas délicats. Mais il ne s'en traitera qu'avec Israël. Là, il a fait de Nicodème tout le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'il est parlé. Bon, on n'a pas le mais il est devant une seule personne. À continuer. Il continue. Dans verset 12. Et à Jean 3. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres. Ce qui vous a dit, alors là, quand on va dans la Sinaï. Il avait parlé des choses terrestres depuis Sinaï. Vous en avez là. Vous suivez attentivement. Donc, à vous que ça relève un peu ça qui la loi de Moïse. Il montre comment il avait donné la loi. Et à un moment donné, il a insisté que Moïse a salé la peuple de deux alliances. C'est pourquoi j'avais insisté que Moïse avait traité deux alliances avec le peuple. Et ça va pas pour confirmer dans la réalité à l'Ikambo. C'est pour confirmer dans la réalité des choses. Et vous tapez ça des choses terrestres, les appelés dans Christ. Et celui qui avait donné les choses terrestres, c'est le Christ Jésus. Et mon copain d'ailleurs, dans les spirituels. C'est lui-même qui a apporté aussi les choses spirituelles. Et dans le langage, l'écriture, l'état et sa capisson. C'est comme l'écriture nous montre. La parole est créée des siècles. L'Ilomekela, ma couleur. La même parole est créée la terre. Et cette même parole a créé la terre. C'est la même parole. Alors, mais si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Des alliances. Il a parlé de deux alliances dans cette écriture. Des alliances terrestres. Il y a des choses qui étaient terrestres. Des alliances célestes. Et d'autres étaient célestes. Maintenant, l'obé. Maintenant, on rajoute. Jésus, c'est la vérité. Yesu a dit au sol. D'accord, à Jésus. Ils ne vont pas douter de la parole de Jésus-Christ. En verset 13, à l'obé. Au verset 13, il dit à Jean 3. Personne n'est monté au ciel. Montons côté à matin à l'eau là. Il ne faut pas lui raconter l'histoire. C'est lui qui a créé Élie. C'est le même aussi qui a créé Enoch. C'est lui Jésus. Il faut comprendre le cas. Tu vas comprendre lorsqu'il dit. A dit personne n'est monté au ciel. Montons côté à matin à l'eau. Si ce n'est celui qui est descendu ici. Les fils de l'homme qui est dans les cieux. Moi, je suis un peu plus de temps. Donc, il était à vous, ceux qui. Parce que témoigner à mon équipe, il est à son nom. Donc, cet enseignement dans ce temps-là, c'est terrible. Il n'y a pas de fausseté. Il y a des faussetés. Vous avez un Élie qui était monté au ciel. On avait Élie qui était monté au ciel. Vous avez un énorme. On a énorme dans les cieux. Marche avec Dieu. Et donc, à Tapo, là, dans un 300 ans. Et ne fit plus parce qu'il tient dans les Azalaka qui sont soutenus pour la gagne et pour la gagne. C'est des versets. Personne n'est monté aussi. Regarde d'abord cette sorte de prédicateur qui dit monte mon côté à matin. Azalaki Kolobane, moi la porte à jardin n'était pas ouverte. Il disait cela parce que la porte du jardin n'était pas encore ouverte. Parce que. Au corps du ciel, parce que entrer dans le ciel, les autels ça peut soit vie éternelle. Montre parle de recevoir la vie éternelle. Avant nous ça va pas parler de l'éternel. Et tous avant n'avaient pas cet enseignement. Il y a pas ici personne n'est monté au ciel. C'est pourquoi il a montré que personne n'est monté au ciel. Donc on a mis ça là où est seulement qui avant. Dans les œuvres passées avant celle de Jésus-Christ. Les années qui m'appellent le côté français par matériel didactique. C'était comme ce qu'on appelle en français matériel didactique. Donc, les amis, il est beau. Donc,
Mais ça n'est vraiment un côté. Ce n'est pas vraiment la réalité des choses. Le Seigneur pourrait dire à Moïse, j'ai défait Dieu. Mais il vient encore chez le même Moïse. Il lui a donné le premier commandement. Il dit commandement, il a baissé. Il dit commandement comme il lui avait donné. Il n'aura pas un dit devant ma face. Vous allez dans la table, mais où dit vous allez dans la table? Tu viens de me faire Dieu. Toi-même, tu viens de me le faire. Maintenant, écoute le premier commandement. Oui. Moïse. Il n'aura pas un dieu. Vous allez dans la table, vous allez sous terre, vous allez. Alors, vous allez signe. Il montre que vous allez dans la table et les mots. Mais ça y est. Ce n'est pas toi en réalité, Moïse. Amen. Vous allez dans la table et les mots. Tu es Dieu signe. Pour que quelqu'un comprenne ou maîtrise l'alliance, il faut comprendre très bien la loi, les psaumes et les prophètes. Il doit bien comprendre la loi, les psaumes et le prophète. S'il ne les saisit pas bien, il est très difficile. Il vient chez le prophète. Isaïe 44. Non, Isaïe 44. Il s'est lui-même interrogé et il a donné la réponse. Y a-t-il un autre Dieu devant ma face? Il n'y a point un autre rocher. Il n'y a pas un je ne connais pas. Dans la même bouche du prophète Isaïe. Mais Isaïe 51. Non, Isaïe 51. Vous qui poursuivez la justice. Pour que les regards vers les rochers que vous avez été dits. Pour que les regards vers Abraham. Si vous dites que vous avez mis il n'y a point d'autre rocher. Mais tu viens de nous dire que tu ne connais pas ce notre rocher. On nous dit encore Abraham est un rocher. Mais tu dis encore qu'Abraham est un rocher. On a dit un rocher. Pour montrer qu'Abraham est un rocher signe. Il est signe seulement. Zabaza pour utiliser Babilembo pour maintenant la véritable construction. Le Seigneur utilisait les signes pour parvenir à la véritable construction. Et architecte. C'est comme un architecte. Azan a besoin de ton mandato. Il a besoin de bâtir une maison. Azan a mon papier. Il la conçoit d'abord sur le papier. Awa isa couloir. Ici c'est le couloir. Awa saya omi garage. Et il est vraiment garage sur le papier. Awa omi véranda. Et ici il écrit. Azan terme ça me disait. Il n'a pas un autre terme à utiliser. Véranda. Véranda. Alors, comme une chambre des parents. Et ici, il écrit chambre des parents. Maintenant, ton parent vient d'entrer dans la chambre des parents, papier. Et comment moi, chambre des parents? Il est vraiment écrit chambre des parents. Alors, comment une garage? Il y a ce qu'on papier. Tu veux faire entrer ton véhicule dans le garage en papier. Et comment une garage? Il est vraiment écrit en papier garage. C'est textuellement dans ce monde par Élie, par Kéli, par Élie. C'est textuellement en voyant Élie et Enoch être en lui. Jésus, la vérité, le lui, personne ne l'a monté. Il est sur le lui, monte mon côté à Tika la Bouma. Donc, ce que la patine est un mot, ce que nous devons comprendre, c'est que dans tout cela, nous comprenons. Zambé a fait ça qui année n'a pas de mots physique. Le Seigneur avait donné une année au peuple physique. Et puis il a donné une année en spirituel. Et puis il a amené cette année en esprit spirituel. Maintenant il faut regarder la physique. Négémi n'a classé ça qui année. Maintenant tu dois regarder dans le physique comment il avait classé cette année. Il y a une loi aujourd'hui. C'est pourquoi la loi que nous avons prise. Sur la présentation des hommes na katiane na wetali ko belemsa bana mibali na mobumu encore les ayo ça de ma trois fois et cela se faisait trois fois dans l'année na pain sans levain na la fête de pain sans levain na fête il y a semaine à la fête de semaine donc par exemple célébrer semaine et 7 semaines donc ils célébraient 7 semaines
moisson. Cette semaine de moisson. Aujourd'hui, Lévitique 23 aussi. En prenant Lévitique 23. On va aller à partir du verset 15 à 17. À partir du verset 15 à 17, on en parle. De là, cette semaine, il y a moisson. On parle de cette semaine de moisson. Moisson à orge. Il y a la moisson d'orge. Là, il y a blé. Et la moisson de blé. Et là, on sera cette semaine. Et cela faisait cette semaine. Maintenant, à la fin de cela, la présentation des hommes. Il y a la présentation des hommes. Ils ont la présentation des hommes sous ils ont salement la fête à tabernacle. Il y a une autre présentation des hommes qui s'est fait à la fête du tabernacle. Et en Israël, d'après la loi, on l'a mis en bête. Ce que commis en temps ou en an, n'est y a personnellement. Si le temps de la fête de pain salement à la fin de cela, mon maman dit Bali. Tu vois vraiment physiquement les hommes sortir de leur maison et puis ils viennent tous au temple. Vous suivez attentivement comment est-ce que les choses aussi les premières présentations. Donc ils ont obéi à la première présentation. Cette semaine il y a moisson et l'église. Maintenant lorsque les sept semaines de moisson à la fin de cela, les hommes encore sortiront de leur demeure et se présenteront au temple. Deuxième présentation. C'est la deuxième présentation. En fait, à tabernacle aussi. Et même à la fête des tabernacles. Même. Maintenant, place à Madame pour se présenter. Maintenant, là où ils allaient se présenter, c'était la maison physique de l'Éternel. C'était la maison physique qui était la maison de Dieu. Oh, les amis, image la maison de Dieu. Le ciel. Qui n'était qu'une image de la vraie maison de Dieu qui est le ciel. Amen. C'est pourquoi tu vas voir. En lisant Hébreu. Tant que Christ a été. Lorsque Christ va être en haut, a accueilli la tabernacle. A continué dans mon bon moyen. Là, aujourd'hui, Hébreu 9. Vous prenez Hébreu chapitre 1. Ah, on a besoin d'expliquer pourquoi le mari Élie a quitté la ciel. Ici, j'explique pourquoi il dit Élie n'était pas enlevé. Pourquoi le mari Enoch a quitté la ciel. Pourquoi Enoch non plus n'était enlevé. Esaïe, c'est parce que. Pour atteindre ce que chemin et arbre de vie étaient encore fermé. Pour montrer que le chemin de l'arbre de vie était encore fermé. Mon côté a joué la vie éternelle en temps. Et personne n'avait reçu la vie éternelle en ce temps. La vie éternelle est en Christ Jésus. Bon, moi, c'est pour les années, la carte à Christ Jésus. Aujourd'hui, Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. L'écriture des auteurs et s'abuse au boyer. L'écriture nous montre ceci. Verset 24 d'abord. Le verset 24. On a vu dans le verset 13. Le verset 13. C'est bien pour nous comprendre bien 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 9 toujours. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Mais à côté, il y a un peu de temps. Même 11e pour faciliter les choses. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands. À quatre ici, mon combo est animé. Et plus parfait. Plus beau et au capé. Qui n'est pas construit de maintenant. C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Donc, le Seigneur, tant voici qui a quitté la tabernacle. Lorsqu'il est ressuscité, il est allé dans le tabernacle. Parce que présentation, c'est pour ça les mains dans la maison de Dieu. Parce que la présentation se faisait dans la maison de Dieu. Et il faut que aussi ma malin. Et il faut que tu puisses bien saisir. Parce que Zambé a tenu une loi na kati na bango. Parce que le Seigneur avait mis une loi parmi eux. Une vie. Beaucoup de pour ça les mains na kati na. En Israël, c'était comme ça. Naïs Israël,
C'est pourquoi lorsqu'on a donné la loi concernant l'Holocauste, dans Lévitique chapitre 1er, en lisant les versets 6 et 7. Lévitique chapitre 1er, verset 6 et 7. Lévitique chapitre 1er, verset 6 et 7. L'écriture révèle sa mission pour l'écriture nous dit ceci. Je pense que vous aurez un mal. Je pense que vous m'écoutez. Ah, il faut qu'à tout temps, voilà, ceux qui basent ici, qui dit qu'il faut continuer ici. Si on est à pied courant, nous allons pas continuer. Aucune loi, au élevé là, qu'avant, pas pour maintenant, aucune loi ne dit qu'avant qu'on ait tué l'animal, on devait d'abord le laver. Les arachidés. C'est là, cette loi n'existait pas. Bazalaki pour son colané, ni chopo, il ne lavait que les entrailles. Et Bazalaki pour son cola, ma polo. Et aussi le pied de l'animal. La sacrifice peignant son terre. Ce n'était pas dans tous les sacrifices. Parce que ça y avait ma doctrine nous fait ça là. Parce que c'est une erreur que nous dans notre doctrine. Par rapport donc, au Dieu qui m'a message à Branham. Par rapport, par exemple, le message de Branham. À ça là, il y avait un bon paquet. Avant Nyama, pour faire passer pour la Rayamo. Ils avaient commis l'erreur de dire qu'on lavait l'animal avant qu'on puisse l'immoler. Voilà pourquoi Christ a continué la maille. Voilà Christ a continué la maille. Et donc, ça va bien, hein? Ça va bien. Hein? Et donc, je vous allez bien. Quelque chose peut-être délai d'apparence. Mais ce n'est pas de l'histoire. Amen. 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 Alléluia. Pourquoi ça l'a négoana? Pourquoi le Seigneur a fait ainsi? À ça l'a que va se voler entrailles. Il avait fait qu'on puisse laver les entrailles. Entrailles étant les sacrifices. Mais son poids étant les sacrifices à la montagne. Très bien. Vous avez un amalant? Suivez pas, donc, sorti du Père. Oh, à outil la taga. C'est l'entraille. Il y a un bonnet pour son poids. Il y a un bonnet pour son poids. Et c'est ce qui sera lavé. Amen. 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 Alors, Oyoyo et Mongisani et Kota dans l'Holocauste, ce qui est préparé à entrer dans l'Holocauste, Nanyazo Sokola Mapolo Yanyama Oyo, qui lavait les pieds de cet animal. C'est dans les sacrificateurs. Il lavait les pieds de l'animal. Donc les avocats, c'est que vous sacrifice Moko. C'est la montée qui viendra un sacrifice. Oh, le véritable sacrificateur, l'éternel lui-même. Mais le véritable sacrificateur qui est Dieu lui-même. Accueillir. Va recevoir, accueillir. Parce que laver les pieds, c'est accepter. Pour ce soit pour la parole, ça pour y avoir conduit ma moto. Amen. Jésus n'a pas dit que. Personne n'a été accepté au ciel. C'est pourquoi Jésus a venu monter au monde quand il m'a dit maman, n'a pas. Donc personne n'est monté au ciel. Monter au monde quand il y a ma table là. Oh le mien, son moment, on dit à vie sa foi. C'est ça qu'il y a matériel. Tout ce que tu vois, les justes dans la Bible, c'est le fait que le matériel est actif. Mais vie est sous-brandée. Par Jésus-Christ. Mais la vie commence avec Jésus-Christ. La mort a bien amené source de salut pour tous. C'est pourquoi il est appelé aussi Magalopi pour qu'on a battu mieux sur la vie. Abraham a dit qu'on était marrant. Même si Abraham avait marché. La santé des jours. Tout d'un coup, il est pour le matin la vie. Cela ne veut pas dire qu'il a reçu la vie. Sinon, on appelle Abraham rédempteur. Sinon, on allait l'appeler rédempteur. Au moins, il prend qui est il a ouvert la porte du jardin de l'Éden. La mort retenait tout le monde. C'est ça la vie. L'amour de Dieu. Afin qu'il y ait ça la miséricorde à tous. Afin de faire miséricorde à tous. Même Abraham, Isaac, Jacob. Même Abraham, Isaac, Jacob. Ils sont présentés comme des justes, mais n'ont pas pire. Ils sont présentés comme justes, mais n'ont pas pire. Amen. Amen. L'œuvre qui devait s'accomplir pour donner des salut. Personne ne l'avait accompli. Il y a mon bonheur.
remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans nos âmes, à la porte, ça va mon man. Lorsque le Seigneur leur donné la manne, son collant ici en haut est au courant. Si tu le fais traverser la nuit, la manne voisira. Donc la manne n'a pas encore vaincre. La manne ne pouvait pas ou ne parvenait pas à vaincre la manne. Mais la sixième jour, c'était le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth. Amen. La Bible ne connaît pas la fête de Noël et d'autres fêtes. La Bible ignore toutes ces fêtes-là. Ce sont des choses des comédiens de ce moment. Ils se sont conçus leurs propres choses. Avec toute une doctrine, il y a Dieu Soleil. Ils ont quitté à mon dimanche, il y a un travail pour célébrer Soleil ce jour-là. Donc on célébrait le Dieu Soleil ce jour-là. Parce que Zambé a petit ça, papa, pour vénérer par astre, Babylonien, sous les ennemis, au Yakéli. Le Seigneur avait refusé qu'on puisse se prosterner ou adorer les astres qu'il a créés. Son autant il a Deutéronome 4. En lisant Deutéronome 4. Verset 19. Mais il y avait de faux adorateurs qui se prosternaient devant les astres. Et à Rome aussi, ces gens-là se trouvaient. Alors, une église, l'église romaine, l'église romaine, avait senti qu'ils avaient des pressions concernant cette date. Non. Les fidèles ne célébraient que cette fête-là en ces temps. Il fallait qu'ils puissent arrêter une stratégie pour bien enfermer la fidèle. Et aussi ont établi la naissance de leur Dieu. Et qu'il est né le 25 décembre. Maintenant, ma doctrine est à Mike. Maintenant, les petites fausses doctrines, ils voulaient s'opposer à ça. Il faut lire la Bible. Moi, je n'ai pas dit rien qui n'a sans ça et motoba. Voilà, Tony Bandimina. Là, maintenant, il interroge à ses fidèles. Sixième mois, ils ont moi, sans ça et motoba. C'est le fidèle. Juin. Vous voyez la difficulté du prédicateur. La Bible, c'est comme on dit moi. Dans la Bible, si tu vois le moi, il faut ajouter encore 3 mois, c'est là. Donc, ce qu'on dit, il faut 6e mois. Si tu vois par exemple, 6e mois. Donc, cela veut dire que dans notre calendrier, c'est le 9e mois. Suivez attentivement. Ce qui est dit, la Bible a dit fin de l'année. Dans la Bible, si on parle par exemple de la fin de l'année, dans notre calendrier, c'est le mois de mars. Amen. Donc, ça va être le 9e mois. C'est pas le 9e mois.
fin de l'année de la Bible est en mars. La fin de l'année de la Bible, c'est au mois de mars. Il espérera changer les temps et la loi. Il y a un lit qui a compongo la bataille au pédibéco. Donc quelqu'un qui enlève la fausseté en utilisant une autre fausseté. Mais en lisant les textes de Luc chapitre 4, vous allez remarquer que c'était le sixième mois de la grossesse de Jean-Baptiste. Donc comme c'était le chiffre 6, sixième mois, le chiffre 6, c'est Zambert qui ici parle pour Soussou en tant qu'alimentant Marie. Le Seigneur a fait descendre notre part dans le ventre de Marie. Parce que d'après Zambert, à autant la sixième mois comme sixième jour. Donc, d'après Dieu, il peut dire le sixième mois comme le sixième jour. A-t-il des pas. Donc, il a mis deux pas. Pour Soussou, l'alimentant, il y a Marie. Une part dans le ventre de Marie. Pour Soussou, l'alimentant, Elisabeth. Et une autre dans le sein d'Elisabeth. Les fils qui étaient dans le ventre d'Elisabeth représentaient tout le prophète de l'Ancien Alliance. Jean-Baptiste a une pétition de Jésus à Moïse. Donc Jean-Baptiste est la répétition. Comme on avait dit, personne parmi les prophètes était semblable. Même parole Jésus est mon balobango pour Jean. La même parole Jésus l'avait utilisée sur Jean-Baptiste. Jésus lui-même l'avait dit. Il l'avait dit lui-même. Qui vous allez vous voir un prophète. Plus que prophète. Oh, il y a l'équipe où tu as tapé sa place à Moïse. Il lui a donné la place de Moïse. Mon ami, il y a Jésus à Saladin, et moi, on a baissé place à Moïse. Pourquoi Jésus lui avait donné la place de Moïse? Et ça pour Exode 29. C'était en fin de Exode 29. Verset 4. Le verset 4. Tango, Gangazan, Bazoko, Tanamosala, Moïse, Nasokola, Aaron. Lorsque Aaron voulait être consacré dans le service, c'est Moïse qui l'avait lavé. Voilà Exode 29, verset 4. Là, c'est dans Exode 29, verset 4. Maintenant, ces jours-là, dans le Jourdain. Maintenant, ces jours-là, dans le Jourdain. Quand Jésus a voulu recevoir le baptême. Lorsque Jésus venait recevoir le baptême. Jésus a dit Aaron. Jésus était comme Aaron. Et là, c'est ça la Bible. Jean-Baptiste avait dit Moïse. Et Jean-Baptiste était Moïse. Il y a où il dépassait. Cela avait dépensé la vie. Non. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et non l'inverse. Jésus lui a dit, laissons accomplir ce qui est juste. Si tu as tout pour qui ceux amis pourraient devenir. Où est Zali juste les Exode 29, verset 4. Où est Zali et Gébénin, Exode 29, verset 4. Le Seigneur a dit Moïse a sauvé Aaron. Il fallait que Moïse puisse laver Aaron. Mais ces jours-là, dans le Jourdain, Moïse c'était Jean. Moïse c'était Jean-Baptiste. Et Jésus-Christ était à Rome et se sa lumière. Il y a un moment à Yemoko plus qu'un prophète. C'est pourquoi Jésus lui-même avait appelé Jean-Baptiste plus qu'un prophète. Il va savoir faire la lecture de la Bible, c'est très important. Jésus, il est lui-même tous les prophètes. Asaliye moko ba sakoli nyonso. Soko luki Jérémie na kati na yo komona. Si tu cherches Jérémie en lui, tu vas Daniel au komona. Tu vas trouver aussi Daniel. Luki Moïse au komona. Tu trouveras aussi Moïse en Jésus. Mais il faut veiller dans le mouvement que ce n'est pas totalement. Mais tu dois veiller dans tous ces mouvements dans la marche. Yango pour remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer. Zemie komi na libumu ya Marie. Donc la grossesse est arrivée chez Marie. Les appels ont sous la libumuya. Elisabeth. Il y avait une autre dans le sein d'Elisabeth. Mais où est-ce que Marie était céleste? Mais celle qui était dans le ventre de Marie venait du ciel. Mais une forme, mais qui a pris la forme semblable à celle d'Elisabeth. Amen. Le wana, il faut que je diminue. Tu dois savoir que cette Elisabeth dira que je diminue. Est-ce que vous avez dit que Là, je prends seulement les deux portions du vent que Dieu faisait descendre le sixième jour.
oyo mosusu ezakoleka na moto et traverser Boutou, le septième jour est bien. Et une autre passée au feu et traverser la nuit pour être mangée le septième jour. Comme dans le jour précédent, le pain n'est pas venu pas vaincre la nuit. Et ça compte à ça, tous les prophètes. Et ces pains-là représentaient tous les prophètes. Ils étaient incapables de la corruption. Ils étaient incapables de vaincre la corruption. La mort. L'Iwa. Personne. Motoké. Mais, étant donné qu'il y aura un pain. Mais il était dit il y aurait un pain et voyant le sixième jour qui viendra le sixième jour mais pour traverser lui mais qui va traverser les ténèbres de la nuit et bien on est à Christ et lui par en est Christ au Jésus quant à la chair Nanzoto a botami sous la loi il est né sous la loi mais à convaincre la nuit mais il va vaincre la nuit afin qu'il appelle sa vie son repos afin de nous donner le repos. Et nous entrons dans la parole. Et nous entrons dans les repos en mangeant la parole. J'ai pris cet exemple pour montrer. J'ai pris cet exemple pour montrer. Tous les prophètes m'avaient pour vaincre la corruption. La sabolignon sur ma coca qui colonne pour la terre. Ne pouvait pas vaincre la corruption. Ce n'est que Jésus-Christ. Sakaka Jésus-Christ. Le premier d'entre les morts. C'est pourquoi on l'appelle Motona Yahwa Kokota Makata Makoufi. Dans Apocalypse 1. Apocalypse 1. Il faut évaluer qui sait quoi Jésus a Kokota Manisus. Il faut savoir que la résurrection de Jésus, c'est une autre forme de naissance. Et ça vient frère Paul à terre. C'est comme le frère Paul nous l'a prêché. À sa dimension. Il a fait mention. Dans Acte 13. Dans Acte 13. Acte 13. Non, verset 33. Au verset 33. Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit. Dans les psaumes deuxièmes. Donc, Paul a dit que Satan, Yesu a dit quoi. Paul montre quelle écriture s'accomplit par la résurrection. C'est cette écriture. Qui est mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Lorsqu'il ressuscite, donc Jésus est né de nouveau. C'est ça le verset. Yango le premier. Vous suivez attentivement. Yango, à Paulisme, il y a le premier. Des morts, entre des morts. C'est pourquoi Apocalypse s'appelle premier-né d'entre les morts. Donc, à part lui, il n'y a, a plus personne qui a vaincu la mort. Apocalypse, on avait dit renfermé à la mort. Tout s'était renfermé dans la mort. Yango Omoni, c'est pourquoi tu vas voir. Présentation des hommes. Devant les temples, l'imposé a tempéré. Apocalypse jamais pour dire que Élie a battu qui est notre avatar. Il n'est jamais accepté que Élie et Enoch furent montés dans le ciel. Et il fallait qu'à la personne n'est monté. Il fallait qu'ils disent personne n'est monté. Parce que c'est lui qui va précéder tout le monde là-bas au ciel. C'est Jésus-Christ. C'est ça, Jésus-Christ. Et c'est ce que nous dit Hébreux 6. Il entra comme prédicteur. A côté le col à Oyo, à côté du Bosabatignon. Ah, il y a un côté du Bosabatignon. Il y a un autre jour, c'est pourquoi nous disons dans l'année, na mon goût, Oyo, il a présenté dans Luc 4. Donc, ce qu'il a présenté dans Luc 4, il a fait trois présentations. Il y a aussi les trois présentations des hommes à l'intérieur. Vous avez pas la main. Vous suivez attentivement. Première présentation au Bélémaïa du Bosso. Et ça n'est pas là. Nathan y a personne avec. C'est pas à la fête de Père sans défendre. Luc 22, verset 1er. Luc 22, verset 1er. Et ça n'est pas la personne avec. Mélange la Pâque à la fête des pains sans levain. Donc quand on voit Christ a couffi, lorsque nous voyons Christ mourir et assécoui et qu'il est ressuscité après, Ephésiens 2, verset 6, et Zoloba. Ephésiens 2, verset 6, dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscité ensemble. Assez oui,
bapesi biso nyonso elongo. Il nous a ressuscité ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est sa première présentation. Il y a mon on a qu'un peu là, le temple, c'est le ciel véritable. Donc, tant qu'il est sacré, lorsque Jésus est ressuscité, il est pour le cela veut dire toi et moi aussi sommes ressuscités. Même si tu es né en 1900 ou en 2000, en Jésus-Christ. Ce jour-là, tu es en Jésus-Christ. C'est simple de comprendre. Et ça n'est pas que ce soit-là. Ce qui est aujourd'hui frère, si nous prenons par exemple frère, pas pour manifester pas déjà tous les enfants qu'il aura dans sa vie sont en lui. Ils sont là, et quand on tombe là, on marchant dans les rues de ça. Il a par exemple Janine, Janine, Joseph, Joseph, Marie, Marie. Ils sont en lui. Ils étaient en lui. Maintenant, pour toi, nous croyons. Mais comment tu vas appeler Jésus? Tu dis que tu n'étais pas en lui ce jour-là. Si tu dis que tu n'étais pas en lui, cela veut dire que tu n'étais pas son fils non plus. Tu n'étais pas là. Il faut que vous en gagne. Tu dois certainement être là. Il y a mon Paul dans son papier. Tant quoi c'est lui. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il est ressuscité, nous avons ressuscité ensemble. Lorsqu'il est monté au ciel, nous sommes avec lui ensemble. Parce qu'il est notre Père. Avant que nous soyons manifestés en croyant l'évangile, c'est comme nous sommes. Mais on était déjà dans notre Père Jésus. Nous avons dit déjà dans notre Père. On était déjà dans notre Père. Il y a beaucoup pour remarquer. C'est pourquoi tu m'as remarqué, frère. Première présentation de Yamoana était à temple. C'est ça la première présentation devant les temples. Les hommes se présentèrent. Mipali Makobelema Liboso Nanzambe. Mais la deuxième présentation. Mais la deuxième présentation. Et Mosalema n'a fait la semaine na soupana. Ça conclura à la fin de la fête de semaine de mois. Dieu a salakaïlo bonus natina. Le Seigneur fait toutes choses pour un but. Il y a une loi dans Deutéronome 23. Ils ont dit dans mon bébé comment corps dans Deutéronome 23. Basolo Basir, Nani et Seigneur Yazala, l'assemblée, il y a Israël. De qui devait se retrouver dans l'assemblée des enfants d'Israël. Je vais partir à verset 1er, le verset 6e. En lisant à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Mais par l'obi, mais on dit. Moabite aboko dans l'assemblée Israël. Le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée d'Israël. Attends la dixième génération. Même sa dixième génération. Ou même à perpétuité, il ne pourra pas. Perpétuité. On ne peut pas accepter un Moabite dans l'assemblée de l'Israël. Mais il y avait quelqu'un qui avait déchiré l'acte des Moabites. Naomi. Naomi, la femme. Elle a mené une Moabite avec elle. Ruth. Qui était Ruth. Okay. Vous suivez attentivement. Mais Alomi est mon bon à Ruth chapitre 1er. Mais elle dit elle-même dans Ruth chapitre 1er. Ne m'appelez plus Naomi. Naomi. Appelez-moi Mara. Kasimo ben Nagai Olo. Parce que Dieu m'a frappé. Oui, qu'il s'appelle Apetunai. Yéwana et Yéwa Christ. C'est elle, Naomi, le signe du Christ Jésus. En quittant Bethléem, j'étais parti avec l'abondance. Et ce prévisible.
maman a mais si on interroge notre maman a si yo qui m'a tombé toi tu avais fui la famine dans le pays abondance ni yo c'est bien dit l'abondance que tu avais emporté avec toi mais tu avais dit l'abondance tu avais dit tu étais à la même mais je rentre même vie à quoi ils sont abondance ce sont des hommes mon abondance c'était les trois hommes mon mari naël mon mari abanami les deux fils c'est abondance c'était deux mon abondance. Mais c'est là qu'il va subir mort. Mais il fallait qu'il puisse subir la mort. Les Moabites à côté. Pour que la Moabite puisse avoir accès dans l'assemblée d'Israël. Ce mouvement-là, ce mouvement-là. Et les Chirac qui entrent à Deutéronome 23. Et passons là au Canada, au Canada, il est tout pour la Moabite dans Deutéronome 23. Et puis ce montagne en mon arrive. Et puis en lisant cela dans Ruth, on peut remarquer que Ruth a joué à propos dans le commencement et la moisson à orge. Vous allez remarquer que Ruth entre dans l'épargne la kokouka bambouma et orge. Donc dans votre compte, donc en entrant, première présentation, ça allait manquer. La première présentation s'était déjà accomplie. Ruth a zanetti, ma branche, et ça allait dans un besoin hanté. Ruth est comme les branches de l'olivier sauvage qui étaient détachées. Hein? Et qu'on est hanté. Qui était hanté, greffé dans l'âme. Et dans ma côté. Mais lorsqu'elle est entrée, à Sala, dans la salle qu'on a sali, moi, à Sali, à Boukina, il y a pendant moisson, il y a orge, il y a blé. Elle a moissonné ou glané dans les champs pendant les moissons d'orge et de blé. Ça l'a qu'à 7 semaines. Et cette moisson fait 7 semaines. Voilà au Tangi le 23. Là vous allez lire. Voilà donc il négocie ça le long. Pour aller finir avec ton conseil. Nous irons petit à petit. Au milieu du sabbateur, vous comprendrez très bien. Mais de quel point tu vas bien comprendre. Parce que les loups ils aiment. Parce que cette parole t'appartient. Et puis, Nabao, il y a 60 ans, il y a et à tous ceux dont le Seigneur appellera. Amen. La Tangi verset 15. La 16, il y a le 23. Le verset 15 et 16 de Lévitique 23. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Depuis le lendemain du sabbat. Au bandalobi, il y a sabbat. Du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre. Vous compterez 7 semaines. Donc, 7 semaines à la semaine à moisson. Donc ces 7 semaines sont les semaines de moisson. À Kobouk, à Orge, on va moissonner de l'orge. Orge est un moment où il est sur ma papier, pas à la lima. L'orge, c'est le céréal qui aide aussi à la fabrication du pain. Et Kobouk a aussi blé. On va aussi moissonner le blé. Et quand on a 7 semaines. Et toute cette moisson-là prend 7 semaines. Et Rite dans moi, côté. Et lorsque Rite est entré en Israël. Aujourd'hui, Rite chapitre 1er, verset 22e. Prenez Rite chapitre 1er. Le verset 22. L'écriture et les œuvres du Seigneur sont brouillées. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, le verbe du pays de Moab, Naomi et sa belle-sœur. Et bon, mais on a dit qu'on a dit Moab, Naomi a peine à Rite la Moabite. Luta, Moui Moab. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Et la Pâque était déjà célébrée. Et parce que Pâque est avant fête de semaine. Parce que la Pâque précède la fête de semaine. Donc, Pâque, la réalité, la mort de ce moment, le nom de Jésus-Christ a couvert. Donc, la Pâque dans la réalité, comme la mort de Jésus. Et après, à moi, la Simawa, ma camion sur la salée, toutes ces choses se sont passées. Dès que ce moment, la mort fête de semaine et pour la Simawa. Alors, nous voyons ici la fête des semaines suivre. Maintenant, Rite a fait combien de temps dans le champ de Boaz? Et combien de temps Rite a-t-elle fait dans le champ de Boaz? Verset 23. Le verset 23. Il y a Rite 2. Et Rite chapitre 2. Elle resta donc avec les servantes de Boaz. A-t-il la kiwana na basali a passé à Boaz? Pour glaner. Pour la colocotation. Jusqu'à la fin de la moisson des anges. Et de la moisson du froment. Donc froment ou bien blé. Donc le blé. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc à travailler dans le champ, il y a Boaz. Ruth a travaillé
Suivez attentivement. Parce que nous sommes dans cette église d'Asie. Parce que en marchant comme ça, nous allons pour entrer dans les sept églises d'Asie. Écoute comment on définit Ruth elle-même. Dans Ruth chapitre 4. Lorsqu'elle avait donné naissance à elle. Verset 15. Ruth 4. Dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Cet enfant restaurera ton âme. Et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle fille. Cette fils. Pour comprendre les sept églises d'Asie. Vous allez comprendre les sept églises. Donc, Ruth pour sept. Luta Azali na motango ya bana samoni ba. Mais c'est Ruth là a pendant la sept semaines ya moisson. Donc cette Ruth a demeuré pendant sept semaines de moisson. Ah, Otalisa, sept fils. Elle représente sept fils. Or, il faut tout le monde en a super. Il y a fait la semaine. Alors, nous devons voir la fête, la fête de semaine. Présentation devant des hommes. Une autre présentation des hommes devant Dieu. Amen. On est pour savoir Ruth là où se présenter. Là, ce sera Ruth elle-même qui se présente. On est dans les mains. Ils ont l'idée qu'on va s'en. Mais Ruth est nouveau le passé. Mais Ruth venir s'en. Sept fils se présentent devant Dieu. Il y a beaucoup de monde dans chaque église. C'est pourquoi vous allez observer dans chaque église d'Éphèse. Dans l'église d'Éphèse. Et ça n'a fait pas quelqu'un. Et ça n'a pas l'homme qui n'a pas. C'est lui qui est vaincra. C'est un fils. L'église de Smyrne. Dans l'église de Smyrne. Ah, c'est lui qui est vaincra. Les vainqueurs, ça fait qu'on bat. C'est un fils. L'église à Péta. Dans l'église de Péta. C'est lui qui vaincra dans ce temps. C'est un fils. L'église à Saint. Dans l'église de Saint. Fils. Église ya Tiati. C'est lui qui vendra. Fils. Église à Philadelphie. C'est lui qui vendra. Fils. Église à Laodicée. C'est lui qui vendra. Fils. Cet fils nous en a présentation. Nous en avons coupé les manières. Et tous ces sept fils représentent Ruth seule la Moabite. Là, les amis, la deuxième présentation. Et c'est à la deuxième présentation. Il y a mon appelé Colossiens chapitre 1er, verset 27, 28. C'est pourquoi j'ai dit Colossiens chapitre 1er, verset 27. En tout cas, ton père s'attend à même merci. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Pour appeler sa vie sous parole. Parce qu'il lui a pris de nous donner la parole. Et donc, on est en tout cas. La plus grande chose, c'est la parole de Dieu. Ça ne sont pas soumis. Si le Seigneur t'aide et te donne la parole, réjouis-toi. Et ne tiens pas les petites choses de ce monde. Ne t'inquiète pas de ça. Tu vois, donc, on a de se disputer avec son ami pour un ami. Et notre Seigneur se dispute parce qu'il n'a pas de haute étude. C'est quoi un mensonge? Celui qui veut se glorifier. Ah, c'est réjouir quoi? Il est bizarre. C'est réjouir, c'est glorifier d'avoir connu le Seigneur. Il nous connaît en soi, nous sommes. Toutes ces choses-là que tu vois. Vanité et vanité. Pamba, il y a Pamba. Poursuivre les vampires. Pour être dans mon pépé. C'est bien là pour les rigolos. Réjouis-toi parce que tu connais le Seigneur. Il y a mon des alliances. Et c'est ce qui est tout pour toi. Ta grâce me suffit. Pour nous, on a eu coquille. Il y a mon des abonnés et pour la mission. Pour nous. Les choses présentes et ma table est si coïncide. Et puis ce pas été troublé. Paul le voit la comprendre et la parole. Donc Paul avait compris la parole. A tout m'a dit qui me séparera de l'amour de Christ. Là, il y a un cabot la cabane à moi. Qui Nan, qui
comprendre cet amour. Lorsque tu comprends cet amour, tu appelleras tout Pamba. Amen. 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 Colossiens chapitre 1, verset 28. Colossiens chapitre 1, verset 27. Nous avons écrit au point d'apporter sa présentation. Nous avons lu cette écriture pour parler de la deuxième présentation. Présentation de matin ou cette semaine et ça l'église. Cette présentation se passe à la fin de cette semaine. Verset 27 à 28. Le verset 27 et 28. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse Nabanani aux appels à l'Ingadiatalissa aux yeux en Kémo. De ces mystères parmi les païens. Savoir. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Et lui qui a verset 28. Écoute le verset 28. La Colossiens 1. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout temps. Et instruisant tout temps. En toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme qui est venu parfait en Christ. Donc il y a une présentation. Attends où l'idée que vous allez. Lorsque l'enlèvement s'accomplira, aujourd'hui, écriture encore. Prends il y a 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Pour ceux qui vous confient comme malamonté, ma nabino, volé malamonté. Mais vous me supportez. Si vous allez comme malamonté. Car je suis jaloux de vous, dit la jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Comme une vierge. Deuxième présentation de l'année. Ça c'est la deuxième présentation de l'année. Ni l'inéto. L'enlèvement de l'église. Là maintenant on peut comprendre. Là maintenant tu comprendras. Que année à grâce est aussi la décennie de l'inéto. Que l'année de la grâce ne va pas s'épuiser à notre enlèvement. Ok, le terme va être parce qu'au fil des commentaires, il y a crampons. Les commentaires d'avec crampons. Année à grâce est aussi la décennie de l'inéto. L'année de la grâce ne prendra pas fin à notre enlèvement. L'inéto est la deuxième présentation. L'enlèvement c'est la deuxième présentation. Donc l'année à grâce est suivi la haine de l'inéto. Toi qui diras que l'année de la grâce. Israël a dit l'année. Et comment Israël sera sauvé? Ils seront sauvés dans la grâce. Parce que dans 4 années, il y a deux sortes de pluie. La pluie est dans la amour. Donc la pluie, c'est aussi le signe d'amour. C'est dans Job 37. Dans Job chapitre 37. Dans le verset 10e et la 13e. Verset 10 à 13. La pluie est d'accord aussi comme verge. Et elle est aussi comme le signe de la verge du fouet de Dieu. Donc on a la loi et sont à ça. Comme la loi était en train de se faire. Ils sont bateaux, donc on pose ceux qui sont 40 ou moins 5. Donc nous les hommes, si nous commettons des fautes, nous pourrions recevoir 40 ou moins 5. Parce que ceux qui m'appellent sur 40 coups et ça pour le moulin au vivre. Donc si on te donne 40 coups, c'est à venir et te donner la mort. Mais l'âge a soit 40 coups. Mais l'âge de Noé avait reçu 40 coups. Donc la verge qui est la pluie. Donc fis-moi les amis, vous là. Et bien t'as 40 coups. Pendant 40 jours. Mais ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche étaient en paix. Et Dieu bénisse. Amen. Jésus-Christ a reçu 40 coups. C'est Jésus-Christ qui avait reçu 40 coups. En limant pour faire sa vie. Il avait accepté de donner sa vie. Vous avez la parole? Amen. Ah. Christ est sacrifié. Christ, bon an. Bisous mais après marche et arrive dans le champ. Après la marche et rite dans le champ. Oui, il y a 7 hommes. Qui est comme 7 hommes. Ce qui a aussi dit. Donc si c'est la prophétie. Présentation encore les arts. Il y a encore une autre présentation à la fin. Voilà les présentation pour l'enlèvement. Et ça dit qu'on bénisse à ma peau d'aligner toi la sang.
Il faut y aller que tu dois savoir la grâce Israël reçoit grâce. Israël recevra la grâce. Mais la terre est subir châtiment. Mais la terre va subir le châtiment. Mais Israël reçoit grâce. Mais Israël recevra la grâce. Parce que l'année à grâce. Parce que l'année est la grâce. Là, il y a dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur était venu annoncer la bonne nouvelle. N'a pas pour là. Vous en avez mal. Amen. Israël. Donc c'est nous et Israël, c'est pauvre. Est-ce que vous aussi, maman? Est-ce que vous me saisissez bien? Adam, mes enfants, mes enfants, et vos démoniens. C'est Adam que le Seigneur a fait réduire tout la chose. Mais Adam l'a perdu. Nous aussi qui étions en lui, nous l'avions perdu. Et Seigneur, il va annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Il fallait qu'on annonce la bonne nouvelle au pauvre. Et les monangos, tout le monde a mon livre des rois. Le signe de cela, c'est dans le livre de deux. Papa mon corps, un papa, a poufa qu'il a pas mal. Il était mort et il craignait l'Éternel. Et a poufi, pas mal à lui parler, le col a tiré la vie dans Nyongo. Et comme il était mort débiteur, mon colo Nyongoana a décidé qu'il essayait de faire pas mal à lui pour Nyongo. Et les créanciers avaient décidé de faire de ces enfants des captifs. Donc papa mon il était pas pauvre. Donc ils étaient devenus pauvres. Vous allez en avant, vous suivez là. Donc, Bishon à Israël, donc, nous et Israël, pour la solution, pour obtenir la solution, il fallait l'huile dans le vase. Oui, il est délivré. Lui, il est délivré. Yamonde et Akilaki, prison, on a moyen pas pour Taïsate. C'était lui qui avait annulé la prison pour ses deux enfants. Donc, l'œuvre de la croix que le Seigneur a sali, l'œuvre de la croix que le Seigneur a accompli, a sali à vous pour tous. Le Seigneur l'a accompli pour tout le monde. Mais pas sous ou pas petit, il va. Mais d'autres se sont heurtés. Israël. Israël. Nous avons cru. À moi, il faut m'appeler la carte, mon mot va compter. Il arrivera aussi un temps où il s'est révélé. Par rapport toujours à l'œuvre de la croix. Toujours par rapport à l'œuvre de la croix. Vous en avez maintenant? Amen. Adam attend la parole. Ils ont leur propre temps. Mais, et au terme, la parole va marquer Christ Jésus à ce point qu'il a pour la vie. Mais l'heure s'est empêchée. Christ et Jésus avaient versé aussi les sons. Joseph va quelqu'un ma frère n'a épaulé. Joseph était vendu par ses frères à cause de la haine. Mais maintenant il va bénéficier qui n'a pas eu. Qui avait bénéficié de cela? Asnat. C'était d'abord Asnat. Moi aussi d'abord. Sa femme. Oya Baladinéché. La femme qu'il avait épousée en ma frère après. Et ses frères après. Mais ça n'a rien. Mais c'était lui-même, Joseph. Alors qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Lorsqu'il lui demandait le pardon, il leur a dit non. N'a dépensé qu'il n'y a qu'on a sauvé la vie de plusieurs. Je vous avais dépensé pour sauver la vie de plusieurs. Je ne vais pas vous faire du mal. Amen. C'est ça. Même sont sauvés à leur temps. Mais ça n'est pas là, un programme. Mais cela s'est passé seulement dans le même programme. Amen. Madame, suis attentivement. Donc, grâce est sous que la bataille n'a enlèvement. La grâce ne s'arrête pas à l'enlèvement de la grâce est pour continuer pour la troisième présentation. La grâce va continuer parce qu'il y a encore une troisième présentation. Vous en avez maintenant? Vous suivez attentivement. Nous ne lisons seulement les Écritures. Nous en les honnêtes. Nous vous réjouissons de donner ce qui est écriture. Que vraiment le Seigneur Jésus-Christ a pas mon ami. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ est bénisse les choix. Amen. 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 Quelles sont les problèmes? Et ça m'a cambodé. Il y a que Christ a nommé déjà là-bas. Sache que Christ est la vérité. Ton cœur est battant, nous avons témoigné la grandeur de la parole. Ton cœur sache en tout temps témoigner la grandeur de la parole. L'Union se moque, ma carte de Jésus-Christ. Tu arriveras à témoigner le Seigneur. Attends la carte à part si l'homme est le nom de Jésus-Christ. Et la carte à part le nom de Jésus-Christ. Et l'homme est le nom de Jésus-Christ. C'est l'homme qui a la victoire.
Nous confessons son nom parce qu'il est tellement grand. Et même sa grandeur parce qu'il est le Dieu de lui. Nous prions le Dieu vivant. Grand Dieu, rocher Jésus. Le Dieu de paix et grâce. Mon rocher, mon appui. Et l'homme a monné les amènes à bien. Nazali, pourtant, on a eu parce qu'on a eu les amènes à bout. Nazali, pour élever grandeur, on a eu parce qu'on a eu dit comme on a eu le Seigneur. On a eu les amènes à qui vient. On a eu la capuche, on a eu le chocolat, on prend le coup, on a eu le coup. On a eu le coup parce qu'on a eu les amènes à bout, on a eu le coup. C'est le Dieu qui change les temps. Aux amis qu'on fait pour la ma vie, la mission. Pour la qui ouvre la vie. Aux amis qu'on tape dans l'aéroport, aux amis qu'on dit qui sache. Je te demande parce que tu sauves. Aux amis qu'on tourne dans l'aéroport, aux amis qu'on envoie la ma maladie. Je te demande parce que tu enlèves le maladie. Au nom de l'aéroport, des amis qui colonnent la nuance. Au nom de ton monsieur, de tout. Salam à eux glorifié, Seigneur. Salam à eux loué, mon Dieu, mon roi. Au plein Dieu, moi je puis s'en mettre. Je les ai mis en tout. Et ça m'a moqué.
ta grâce, Jésus-Christ. Lui qui écoute nos prières. Tu lui rends des actions de grâce. Prions le Dieu vivant. Oh,